Keiji Kawaguchi est né dans le département d'Hiroshima en 1948, trois ans après l'explosion de la bombe nucléaire. Ses mangas traitent souvent de questions politiques et interrogent en profondeur la société japonaise en mettant en scène des situations extrêmes qui poussent à faire des choix moralement difficiles, comme ici dans Zipang. Pré-publié dans le magazine Weekly Morning de l'éditeur Kodansha entre 2000 et 2009, Zipang a été compilé en 43 tomes, dont voici quelques couvertures. La version française est éditée par Kana. Cette série raconte l'histoire du Mirai, un navire de la marine japonaise qui se retrouve projeté en 1942 en pleine guerre du Pacifique. Il ne s'agit pas ici d'une simple uchronie, mais plutôt d'un voyage temporel qui permet à l'équipage du Mirai de revivre au quotidien les événements de la Seconde Guerre mondiale. Dans le premier volume, le Mirai est projeté suite à un orage magnétique en plein milieu de la bataille de Midway, qui fut la première défaite du Japon contre les États-Unis en juin 1942, six mois après Pearl Harbor. Cette attaque surprise par l'aéronavale japonaise le 7 décembre 1941 de la base navale américaine de Pearl Harbor entraîna l'entrée dans la Seconde Guerre mondiale des États-Unis. Les passagers à bord du Mirai sont bien obligés d'accepter qu'ils sont en 1942 quand ils constatent, par exemple, que la pleine lune s'est transformée en demi-lune. Les naufragés du temps redoutent alors l'effet papillon. S'ils modifient quelque chose qui aurait dû se dérouler en 1942, quelles en seront les conséquences? C'est ce qu'on appelle le paradoxe du grand-père. Si un des soldats du Mirai tue son grand-père en 1942, pourra-t-il naître dans le futur? Quand un avion s'écrase à côté de leur navire, se pose la question de savoir s'ils doivent sauver le pilote ou le laisser se noyer, quitte à modifier l'histoire. Ils acceptent finalement d'intervenir, mais uniquement pour sauver des vies. Ils refusent de soutenir l'armée japonaise en combattant les Américains, de peur de modifier en profondeur le cours de l'histoire. Ils veulent surtout conserver ce qui fait la particularité de l'armée japonaise, la Jetai. Être une force d'autodéfense dont le rôle est uniquement de défendre et de sauver des vies. Et quand les héros du manga cherchent un sens à ce voyage temporel, ils finissent par se convaincre qu'ils n'ont été catapultés dans le passé que pour protéger des innocents, mais aussi pour montrer que l'armée japonaise des années 2000 est radicalement différente de celle des années 1940. Au début de la série, certains ont accusé Kawaguchi de faire l'apologie de l'impérialisme japonais. En réalité, ce manga est avant tout une réflexion sur ce que doit être la mission de la Jetai aujourd'hui, alors que les tensions entre le Japon et la Chine sont extrêmes. Si les crimes japonais ne sont pas au cœur de ce manga, Kawaguchi montre cependant bien la situation des zones occupées par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. On voit par exemple sur cette planche le regard fuyant, la peur qu'inspire le soldat et l'arrogance du drapeau japonais qui occupe la case centrale de la planche. Après plusieurs débats, notamment un au Parlement japonais, ce manga a fini par faire consensus et tout le monde reconnaît aujourd'hui l'intelligence et la grande maîtrise de Kawaguchi qui, mieux que quiconque, arrive à captiver son lecteur.